Les raisons pour lesquelles M. Léon Nimbalimba, alors promoteur de la télévision kinoise Molière TV, a survolé le ciel congolais pour rejoindre Lubumbashi sont connues. Sous prétexte de recueillir à la source certaines informations, SIPA, réaction du bâtonnier Muyambo. À propos de l'honorable Francis Kalombo, Papa Molière, comme d'aucuns aiment bien le désigner à Kinshasa, au mépris de sa personnalité, venait puiser dans la caverne d'Ali Baba. La mésaventure de M. Léon Nimbalimba à Kinshasa a commencé par la création de son école privée, Lycée Molière, située dans la perpendiculaire des avenues 24 novembre et de la Gombe, commune de la Gombe à Kinshasa, juste en face du complexe scolaire Bambinière aux Ossés dans la commune de Lingwala. Excédé par l'avarice dont il a toujours fait montre, Lycée Molière, en lieu et place d'un cadre formatif, s'est mué à un carrefour de bordel, accroché à l'appétit des vieux aux cheveux blancs. Pour preuve, les résultats aux examens d'état de cette école n'ont jamais été satisfaisants, si ce n'est des néants enregistrés successivement. La frivolité de l'enseignement de son lycée bordel a laissé Koffi Olomide, artiste et musicien congolais, à immortaliser cette école dans l'une de ses célébrités Ultimatum, où Koffi Olomide dit, je cite, « Bana Bambinière, Molière, Akhenaton, Bafroui, Oyo et Lobaka ». Comme pour dire, les élèves des écoles bambinières, Molière et Akhenaton sont des fruits qui parlent. Koffi seul connaît la raison. Les élucubrations de son lycée ont laissé le ministère de l'EPSP à fermer définitivement cette école qui a déformé les jeunes Kinois. Puis vint Molière Télévision, dont la ligne éditoriale est la télé-réalité, plusieurs fois censurée par le ministère de la Communication. Aujourd'hui, cette télévision émet dans un espace millimétré sur avenue des Huileries en face du camp police Lufungula, commune de Kinshasa. Quelle télévision pour quel promoteur? Voilà les genres de personnes en qui la jeunesse s'identifie. La tabloïde de la série de réactions aux lettres ouvertes présentée ce vendredi 10 novembre 2012 à la télévision, avec comme Léon Nimbalimba acteur principal, lui qui s'apparente à Molière, ce dramaturge français, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin. Molière est né à Paris le 15 juin 1622 et décédé à Paris même le 17 février 1673. Un dramaturge, auteur de comédies, mais aussi un comédien et chef de troupe de théâtre français qui s'est illustré au début du règne de Louis XIV. Plusieurs siècles après, Lubumbashi vient de produire les Molière congolais, Léon Nimbalimba, un quinquagénaire qui se dépouille de sa personnalité en débutant des sottises. Une pire histoire à dormir debout. Si les chats, animal domestique par excellence, passent un jour dans les plats de l'homme, plus rien ne surprend et tout rime dorénavant avec le folklore. Mais dans les cas d'espèce, les chats de M. Léon Nimbalimba a miaulé Kin Makambo, Lushi Makambo. Rendez-vous à Kinshasa.